plante si Morgan von Brella. Et la dernière fois, nous étions arrêtés dans cette vision d'horreur. Mais de côté Gilles, le suspense était total. Et donc, sans plus attendre, sur Moule Beat de la Mort, on reprend. Oh! Oh, c'est à vous. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Eh bien, je m'étais pas rendu compte que nous étions en présence des chouinards. La bande des chouinards. Créateurs de tubes tels que... en fait, notre groupe s'appelle Death Bulge. Vraiment. Franchement, c'est pire. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? Vous ne vous étiez jamais demandé comment ce simple morceau de plastique inanimé pouvait devenir de tels talents musicaux juste en appuyant sur un bouton. C'est clairement le travail d'énergie puissante. Le pouvoir de Baby peut nous aider tous, mais il a besoin que nous l'aidions en partant ça. Il est temps de donner à Baby une enveloppe charnelle pour qu'il puisse atteindre son plein potentiel. Mensonge et calomnie! Baby Bar, c'est déjà parfait! Attends un peu, Yann, on pourra les écouter. Aider Baby à atteindre son plein potentiel, ça a l'air prometteur. Et c'est clairement des amis de Baby pour qu'ils croient en son don et ils veulent si c'est le meilleur. Si, puis on va peut-être pas s'inquiéter, Baby est en bonne main. Quoi? Baby, c'est un con. Sois pas con. Quand est-ce que t'as pu sur le bouton? Tu calmes, garde la face. Tu veux appuyer sur le bouton? Attends, tu appuies sur le bouton, hein? Oui, tu me suis entraîné toute la journée. Appuyer sur un bouton. C'est une démarche. Ah, à mettre une patate au fond. Mais appuie sur le bouton! Je retire ce que je disais. Oh, mais qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi? C'est aussi... poireux. Qu'est-ce que c'est que cette merde buggée? Comment est-ce qu'on peut espérer combattre Apocalypse avec ça? Hein? Combattre Apocalypse? C'est censé être aussi... instable? Éteins-le, vite, avant qu'il commence à nous attaquer. Ça marche pas. On devrait se barrer. Non, vous pouvez pas vous partir maintenant. Ramenez Baby à la normale. Et ils avaient raison. Quelle chose idiote à poursuivre. J'aurais dû écouter. Et j'imagine qu'on va retourner au plan A. Hey, attendez! C'est quoi cette histoire de combat d'Apocalypse? Prouvez que vous êtes... poireux. Désolé, Yann, mais il va falloir qu'on combatte Baby. Évidemment que tu proposerais ça! T'adores cette situation, hein? Pendant tout le temps, je cherchais juste une excuse de lui casser la gueule. Eh, j'ai une idée. Peut-être qu'on devrait combattre Faye? Escargot. Yann, Baby a besoin de nous! Je sais que c'est difficile pour toi d'avoir comme ça, mais... Si on agit vite, peut-être qu'on peut encore le sauver. Tu as raison, je dois rester fort. Pour Baby! Pour Baby!
mort au sol. Je déteste ça. Certes. Rondeur de visage. C'est quelque chose qui sent. C'est quelque chose qui sent visage. Very good. Non, j'ai rien dit, ça fait pas si mal en vrai. Mega Pop Slap. Oh. Mega Pop Slap. Mega Pop Slap. Les mesures de hâte, c'est vraiment abusé. Classique massacré. Ah, 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 ah. Maman. Trente dégâts par mesure. Maman. Ok, on va commencer par se débarrasser de cet effet, effectivement. Heureusement, on a de quoi se débarrasser du sien. Ça marche pas. Quoi? Y'a rien qui marche. Est-ce que notre malédiction s'est épuisée? Baby. Je crois pas que je peux supporter cette musique horrible plus longtemps. Pour peu qu'on puisse appeler ça de la musique. Baby a dû concentrer des énergies protectrices terribles grâce à cette démonstration spéciale. Peut-être que les attaques normales sont pas assez pour vaincre. Eh, hey, c'est ta faute. C'est ça, c'est un tiers, c'est pas. Ou peut-être qu'il est temps qu'on vous rencontre avec un morceau spécial. À nous. Ça pourrait marcher. T'es prêt, Yann? Baby, je suis désolé qu'on ait dû faire ça. Pardonne-moi. Oh, oh. Est-ce qu'on va faire une compétence spéciale où tous les membres du groupe jouent? Ok, je suis prêt. Allez, on va sortir les grosses plaintes. Performance, alors. Physique musicale, trash, hein. Alors, Death Belge joue la piste signature de Brief, rendant beaucoup de points de vie à toute la bande. Et ça augmente comment et ça met du gros soin sur toute l'équipe. Bof. Alors, Death Belge fait les rocks sur le fameux morceau de Faye qui fait des dégâts mélodiques à tous les adversaires. Ça augmente grandement les dégâts infligés. Et la régénération de hype pour la duration, pour la, toute la durée du morceau. Ah, ça dépend de la classe. C'est ça. Donc, Faye, comme elle est matuvu, elle fait ça. Lui, comme il est. Comme il est machin, voilà. Puis lui, c'est un headbanger. Et il fait. Ah, et lui, il nous met des effets à tous les deux. Ça fait des dégâts lourds à tous les adversaires. Et ça réduit les dégâts reçus pendant la durée de la... Non. Le problème, c'est qu'on est en full hâte. J'ai pas envie de remplir notre barre de douleur. Donc on va juste faire le morceau de Faye. Oh. Incroyable! Prends ça! Mega Pop Slap! Mmh.
Wouh! Bah, c'était épique. Et donc, on a envoyé Baby Bass au paradis. Baby! Yann! Vous avez l'intention d'utiliser Baby pour combattre Pocalypse? Est-ce qu'ils font partie du tournoi et qu'ils essaient de sortir aussi? Ce qu'il a dit à propos de combat de Pocalypse, ça peut pas être une bonne nouvelle. Ah, purée. Alors peut-être que c'était pas trop Baby qui était l'épreuve. Peut-être qu'on fait qu'il gratignait la surface. Le pauvre Baby. Désolé, Yann, on n'avait pas d'autre choix. Je sais, c'est... Attends un peu, tu souris, là? Non, non. Je le savais. Tous ces commentaires désagréables que tu faisais à propos de Baby, ce n'était que... Ce n'était qu'une façade. Au fond de toi, tu savais que son don musical t'intimidait. Alors tu t'es caché derrière de la jalousie. Alors tu cachais ta jalousie de sa majesté musicale. Mais évidemment que j'étais jaloux. Comment ça peut être juste que Baby spawnait avec de tels talents musicaux, alors qu'au moins il a fallu que j'y travaille. Comment dire avec ce foutu poisson qui battait sa tronche dégueulasse à mon visage, me moquer avec sa maîtrise instantanée, alors que moi il fallait que je pratique. Sans compter toutes les menaces que tu me lançais là à propos de me faire remplacer par Baby. Eh ben il est mort. Et donc maintenant t'es coincé avec moi. C'est con hein. J'ai besoin de prendre l'air. Ouais, va prendre l'air. Et les deux autres sont partis dans cette direction-là. Pour aller mener directement à l'entrée du sous-sol. Yann, t'as vraiment failli de la remplacer par Baby? Ça va garder motivé, pas vrai? Et on devrait peut-être la suivre. Oui, est-ce qu'on pourrait rester en arrière un peu? Ça... Ça fait bizarre de s'éloigner de Baby comme ça. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on devrait l'enterrer? Non, c'est rare, c'est juste. Dis quelques mots, bref. Quoi? Hein? Ok. On aurait retourné chercher Faye, peut-être? Non, elle va juste la ruiner avec sa attitude et son dédain pour Baby. Baby détesterait qu'elle assiste à ses funérailles. Ok. Alors, quand ça fait un commenter sur la personnalité de Baby, commenter sur ses spécifications techniques. On va parler de cette... Baby était vraiment spécial. La seule chose plus incroyable que son talent musical, c'était sa générosité. Quoi qu'il arrive, Baby trouvait toujours le temps pour quand ses amis demandaient une chanson. C'est vrai. Baby a toujours mis les autres en premier. Bien joué, boy, bien joué. Et ensuite, peut-être une histoire? À quel point Baby a foutu la honte à Faye? Ou le fait qu'elle ait fait la U dans un festival? Baby a eu une carrière musicale illustre et riche. Un événement notoire était quand elle a fait la une de Toadfest. À cause d'une annulation de dernière minute de la tête de fiche d'origine, Baby a été pris comme remplacement. Baby aurait dû être à la une dès le départ. On n'aurait jamais dû laisser Baby jouer. Baby n'aurait plus jamais dû être le remplacement de quelqu'un.
Et personne ne peut remplacer Babi non plus. J'allais peut-être mettre face à ça. Cancel léger ou y aller à fond. Cancel léger. On peut en paix, Babi. Et il y a beaucoup de poissons dans la mer. Mais il n'y avait qu'un seul poisson qui était sur cette plaque de faux bois. Je crois qu'il nous regarde d'en haut. Et qu'il nous dit de ne pas s'inquiéter et de trouver le bonheur. Et si je puis, j'aimerais finir par citer Babi. Et répéter un truc que Babi m'a dit, qui m'est resté en tête pendant toutes ces années. Prouve à la forêt que tu te laisses pas marcher dessus. Fais une jam avec l'escargot jusqu'à ce qu'il soit mort dans le sol. Bep bep bap bop bibi bap bap bop. Ouvrez la voie, c'est l'escargot qui doit payer. Merci. Allez, ça ira. J'étais pas vraiment temps de te préparer, hein, désolé. Et sache ceci, j'apprécie l'effort. Merci, boy. Ah, t'inquiète pas. On va pas en rattraper Faye, sûrement en train de se demander ce qu'on est en train de foutre. Ouais, j'imagine. À la mémoire de feu l'incroyable Babi Bass. Où est Faye? Oh, de retour. Votre pote m'a dit de vous dire qu'elle était allée rendre visite à Barry. C'est pas la bonne idée, elle avait l'air stressée. Ma mère rend visite à Barry dès qu'elle se sent un peu mal. Et elle se sent toujours mieux quand elle en sort. Comment ça s'est passé en bas? Il y a eu des problèmes? Faye t'a pas dit? Tes amis sont nuls et maintenant tes amis sont morts. Quoi? J'ai trouvé la vie en paix, mais il ne nous a pas donné l'option. Vous avez tué Chuck Ridge? Chuck Ridge? Non, il va très bien, non. Même si c'est un vieux ronchon. Ok, moi je m'en fous alors. Tant que lui il va bien, moi je n'ai rien à foutre de l'ensemble de Bitpop, hein. Si c'est eux qui ont commencé, et ben c'est bien fait pour leur gueule, j'imagine. Eh bien, c'est froid. Est-ce qu'au moins vous avez trouvé Babi? Oui, mais... il est mort aussi. Eh ben, ça peut être un grand succès, alors. Ta gueule. Allez, Yann, on a trouvé Babi. Hey, il est probablement déjà chez lui. Comme ça devrait être fini d'emmerder Babi, n'hésite pas à venir ici, hein. Je vais enfin vendre quelques mods. Oh, cool! C'est si rose. J'adore leur démarche quand même. Alors c'est vrai, le seul moyen de sortir du tournoi, c'est d'affronter Apocalypse. Je crains ces problèmes avec ces pactes démoniques. Si j'avais vu qu'ils étaient impliqués, je l'aurais pas autorisé. Les démons sont grandement punis quand ils brisent leur pacte, et... n'en font que si leur vie en dépend. C'est pour ça que ce couple en bure prévoyait d'attaquer Apocalypse. J'imagine que Daimo a désigné Apocalypse comme gardien du pacte à cause de son immense force. Pour décourager quiconque de sortir du pacte par la force. Qu'est-ce que...
qui est ce type à gauche. The fuck? Ah mince. J'imagine qu'il y avait juste pas de solution facile, hein. Ah ouais. C'est un sacré problème. Et tes amis, les platines délicieuses sont passées plutôt en cherchant à sortir aussi. J'ai dû leur dire la même chose. Comment ils l'ont pris? Ah, c'est probablement les autres. Entrez, amis! J'espère que t'as bien profité de ton temps loin de nous parce que c'est fini. Le petit Spark. Alors, on a raté des trucs. C'est au sujet du tournoi. Un truc que vous devez savoir. Oh putain. Oh la gueule. Bye. Ah, je savais que je te trouverais ici. Tu veux dire juste là, dans son fauteuil, dans sa maison? Sid, qu'est-ce que tu fais là? Quoi, t'avais déménagé à Honro? Hé, hey, je me disais que je passerais pour te dire à quel point ma vie est incroyable depuis que nous avons cessé notre partenariat. T'as l'air déglingué. Tout va bien? Je me suis jamais senti aussi bien. Ouais. C'est qui ce truc? C'est mon ex-partenaire commercial, Sid. On a commencé à avoir des avis très différents sur comment mener les affaires et on s'est séparés. Depuis, il a commencé sa propre boîte, son propre business à vendre des boissons énergétiques Sid X. Vous en avez sûrement déjà vu en magasin. Exactement. Ton monopole sur le marché des breuvages restaurateurs est terminé, Drake. Pendant que tu étais planqué ici à mélanger ton thé, moi, j'ai fait bouger les choses. Alors que ce gars-là, eh ben lui, il est parti. Il est devenu... il s'est fait un bar CDX officiel à Elbivion. Elbivion? Le... La salle de concert de Koro? Eh ouais, devine, qui va aller jouer plus tard dans la semaine? La bande des cabanes dans les arbres, des arcs-en-ciel et des rayons de ciel, des rayons de soleil? Non! Apocalypse! Apocalypse? Mouah! Mouah! Ça va être énorme! Elbivion n'a jamais eu de groupe aussi énorme venu jouer! Et je serai en plein milieu de tout ça, à vendre des boissons! Ça me sidère, aucun de vous ne soit au courant! J'imagine que c'est à ça qu'il faut attendre quand on passe tout son temps à faire des câlins à Barry dans le trou du cul du monde. Sid, t'as bu combien de ces canettes aujourd'hui? Ça peut pas être bon pour toi. Vas-y, mollo. Non, je vais pas y aller, mollo. Ok, j'y vais. Sid. Ouais. Mes félicitations pour toutes tes opportunités d'affaires. Je suis content pour toi, vraiment. Ah, va te bouffer du thé. Quel connard. Désolé que vous ayez eu à subir ça. Je suppose que vous allez aller à O.O. du coup? Ouais, on dirait bien. Quoi? Vous
devriez probablement pas attarder alors. Je pense que le bus va partir bientôt. Non, non, le ticket. Je récupère le ticket qui était sur le comptoir. Je le vois briller à travers la fenêtre. On est quand même pas sérieusement en train d'aller en haut là. Et bien sûr que si. On ne doit pas tourner le dos à notre destin. Encore c'est n'importe quoi. Notre destin, c'était semer Babi et nous avons échoué. Le temps des héros est terminé, Ibrahim. Faut y faire. C'est faux. Nous avons été guidés jusqu'à tous ces personnages mystérieux. Alors nous devons les suivre à propos et ruiner leur plan démoniaque. L'adversité à laquelle nous avons fait face dans le souterrain nous a préparé aux plus grands défis qui nous attendent. Nous ne pouvons pas laisser tout ça être ruiné. Nous devons aller à haut immédiatement. Nous devons être des héros. Désolé, Brief, mais Ho-Ho, c'est un nom. C'est parce que c'est là qu'habite maman, pas vrai? Oui, exactement. Elle me fait chier. Et bah, dans tous les cas, si on a du temps, on devrait aller passer par la base des basses. Ils vendent enfin des modes. Ah, vraiment? Il était temps. Oh. Là. L'heure du thé de Barry. Ah, c'est pas de soigner toute l'équipe à un coût réduit. Ah, à un coût qui est proportionnel à la quantité de vie qui manque à l'équipe. Et ça ne peut pas, ça peut pas dépasser un coût de 5. Wouah. Si fort. Je te pisse ça, Barry. Hein. Bien que je considère le rez-de-chaussée de ma maison comme une zone communale pour tous les résidents de Bobstead, tout ce que je demande, c'est que l'étage soit laissé tranquille. Si ça vous rassure, il n'y a rien là-haut que vous trouveriez d'utile ou d'intéressant. Ok. Merci, Barry. Ouais. On va aller attraper ce bus. Ah oui, alors, cette histoire d'encre, on peut lui donner ou pas? Il y a longtemps que j'attends, mais c'est enfin mon tour d'avoir un tatouage. Ce gars est cool, mais il est tellement raide. Il fera un super cadavre un jour. Oh, et tu veux te faire tatouer quoi? Je vais me faire un tatouage de Deadbone de Pocalypse sur mon bras. On l'a présenté un jour. J'arrive pas à croire qu'un groupe aussi cool existe, vraiment. Pocalypse? C'est de la merde. Donne-moi ce truc. Hé, tu fais quoi là? Allez, allez. Yes. Ah, ça, c'est un tatouage dont tu peux être fier. Quel look! Yann, qu'est-ce qu'il prend? Eh, je pouvais pas rester les bras croisés pendant qu'il se faisait faire tatouer un squelette inférieur. J'aurais fini par le regretter. Non, il aurait fini par le regretter. Je lui ai fait une faveur. T'étais vraiment obligé de le faire sur son visage? Oui! Sniff, sniff. Eh, de rien, mec. Je peux pas dire que j'approuve ce coup d'éclat, Yann. Est-ce que t'aurais au moins pu le dessiner bien? Les gens du coin vont croire que c'est moi qui ai tatoué ça. Non, ils sauront qui c'est. Non, bon. Non, ils sauront qui c'est. Il y a ma signature juste là, sur le menton. J'ai pas écrit assez gros? C'est ça? Donne-moi cette aiguille. Allez, j'ai des modifications à faire. Oui, tiens, ton encre.
Eh bien, je suis impressionné. Je vais pas vous demander comment vous avez réussi à survivre contre autant de pitons, mais merci. Yeah, tu m'aurais pas envoyé si tu avais pas pensé que je pouvais le faire, pas vrai? Oui, tout à fait. Bien joué. C'est du beau travail, vous méritez une récompense. Alors, Patch, augmente la chance du groupe d'obtenir un bit rare 3%. Ah. Ah, mais c'est au prix de stats, du coup. Il y a quoi, le dessin du héros? Un général hyper résistance de 10%. Celui-là, et celui-là. Il en a un gène de hype tellement fat. Mais regardez, c'est lui qui a le plus de... C'est vraiment Brive qui est le plus solide, là. C'est lui qui a le plus de résistance et de... Darkness. Alors là... Pardon. Le nouvel habit sur la cuisine de Quackstack est dans le cadre, supprimant à toute preuve que Quack soit passé par ici. Eh, regarde, c'est l'avis que j'ai écrit. Ouais, c'est des bons burgers. Paye le Kazooist de Death Punch. Attends, quoi? Kazooist? Je suis guitariste. Ah bon? Vraiment? J'imagine que j'ai oublié de te demander ce que tu jouais, et j'ai répondu au pif. Et t'as choisi Kazooist? Tout le monde adore le cadeau. Je me suis dit que c'était garanti. Désolé, meuf, mais c'est mieux dans le cadre. Plus moyen de le changer. Ah, et bah, t'as plus qu'à te mettre au casio, paye. On voudra pas que cet avis soit un peu... mensonger. Salut, Box. Pour l'instant, ça joue à Baldur's Gate, évidemment. Quack. Je suis le seul trou du cul qui ne joue pas à Baldur's Gate. Si t'étais là! Si t'étais là! Et il m'a filé une boîte gratuite de boissons CPX en remerciement pour être son client numéro 1. J'allais bien répartir sur plusieurs jours. Mais j'ai entendu les canettes murmurer, le maître des filles, me suppliant de toutes les boire d'un coup. Alors j'ai fait ça. Maintenant, toutes les canettes sont mortes. Prenez ça, canette. Ok, c'est assez de blabla. Allez, allez, achète des trucs. Achète des trucs. Mais, c'est... Et je n'ai même pas de quoi me l'acheter, c'est si triste. C'est X, ah bah ça je vous laisse, et lui qui en voulait. Fais-le. Ouais. Alors... Oh, un patch. Quand celui qu'il porte utilise de la merch, il a une chance sur trois de l'utiliser gratuitement. Une chance sur trois de faire la critique. Chance sur trois, c'est fat quand même. Boum boum. Plus 30% de vitesse et moins 5% de tout. Ah, je suis pas sûr.
Hype maximum plus 20%. Une chance de récupérer de la hype. Ouais, tu mets des baffes. Ouais. Je vais racheter plus de stock. Bien essayé, connasse. Mais oui, pouille. Qu'est-ce que je vais acheter? Ah oui, coups critiques, oui. Oui, je voulais mettre des coups critiques. Est-ce que c'est mieux? On va le voir. Là, en bruit, il a 85. Je vire le Fat Punch. Ou que le fait qu'il va récupérer de la résistance. Il va passer à 66. On va le voir. Un tiers de 66, c'est 22. Et oui, parce que ça a une chance sur 3 de doubler. En gros, ça augmente d'un tiers. 66 plus 22, ça fait 88. Actuellement, il y a 85. Ah, c'est si proche. C'est si proche, mais techniquement, c'est plus. Et ça me permet de récupérer un peu de résistance. Donc vendu. Donc lui il vend des mods. N'hésitez pas à redescendre quand vous voulez, hein. Moins il y a de membres de l'ensemble Big Puff, moins j'en serai de plainte. Ah. Enfin faut acheter des mods. Voyons voir. C'est l'air des empêtes. Le tube de l'été. On rend un peu de vie à toute l'équipe. Ouh, et ça amplifie la barre. Ouais. Offensif et défensif. Dégâts modérés. Et ça fortifie les deux. C'est le Fortifying Flex et le Mega Pop Slap en même temps. Ça coûte 40, ça coûte 35. Ça coûte 80, donc ça coûte un tout petit peu plus cher que les deux ensemble. Ah, et surtout, c'est un mode pour fail. Regardez à droite. Là, pendant que je reste une Summer Jam, c'est pour fail. Bon, je voulais remplacer son blazing de toute façon, mais... Je peux vraiment pas le mettre... Ah, je peux vraiment pas le mettre aux autres. Ok, faut que je fasse gaffe à ça. Pour fail, offensif et défensif, hein. Une mesure de douleur folle. Ah ouais. Mais qui fait mal à fail aussi au passage. Hein. Est-ce que je préfère ça aux fondeurs de visage? Dégâts minuscules et deux mesures de douleur normale. C'est mieux, hein. Alors, deux mesures de douleur normale, ça fait 20. Ça fait 30. Mais ça fait pas de dégâts directs. Ça fait pas de dégâts directs, elle lui fait mal à elle-même aussi. Donc, c'est nul. Alors, dégâts de bruit léger à tous les adversaires. Ouais. J'ai un truc mieux pour ça. Non. Ah, un hommage à Babi. Ah, elle se nommait une mesure de poisson. Pour invoquer un poisson. Non. Désolé, non. Rends un peu de vie à toute l'équipe. Ah ouais. Ça, je voulais ça. Attends. Soigne un peu de vie à toute l'équipe. Deux mesures d'apaisement. Hype 40. Modéré à toute l'équipe. Hype 90, ouf. Mais au moins, ça ne nous tape pas des mesures. Je vais apprendre. Le pouls des possédés. Pouls au sens bâton de cœur. Basketball. Pouls avant-garde. Oh, c'est une nouvelle classe, ça je connais pas. Des dégâts de bruit. Un seul adversaire. Et marque 2 points.
Les dégâts de sa compétence dépendent du nombre de points que Brief a fait durant ce combat, jusqu'à 8 points. Oh. C'est trop marrant. J'ai envie d'essayer, mais je vais mettre à la place de quoi? Est-ce que ça me remplace par ça? Est-ce que j'ai besoin de soins lourds? Non, pour le soin lourd, sur un seul tercet, j'ai... on a les objets. Ça fait quoi sur une lumière ça en mode de classe? Il ressemble à quoi en avant-garde? Oh, 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 oh. Ah ouais. Ah ouais. Ah. Peut-être je suis fan. Oh là 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 là. Pas assez de hype. Tu parles. C'est ça, son truc de hype coûte deux fois moins cher. Artifice 70. Du coup, je sais. Charge. C'est ça, donc leur mode, les modes de leur classe coûtent deux fois moins cher de hype. Donc par exemple, ils mettent ça. Si je veux en faire un headbanger, ce sera plus efficace que ce soit vraiment un headbanger. Après, le méga pop-up, ça coûte pas cher de base. Ah, ça coûte 35 de toute façon. Et ça coûte 20. Là, ça coûte 40. Ah, d'accord. Donc ça, c'est l'attaque signature de Yann. Donc, son coût est fixe. Mais ça, je pourrais réduire son coût. Changeant ça. Ou je pourrais le remplacer par 0 Hz. Non. Essayons d'aller voir la sèche. Parce qu'on a rencontré des sèches avec le vieux là. Ah oui, ça. On a trouvé ton frère! D'accord, je sais pas où j'ai ramassé, mais on a trouvé son frère. Mon frérot! Bon, ça va bien? Pas mal, frérot! Je me suis juste baladé un peu. Je m'inquiétais à ton sujet. Mais t'inquiète pas, hein. Je vais très bien. En fait, tant que t'es là... Putain, je comprends rien à ce qu'il dit. Secours. I'm gonna have trouble with this bomb. No lie. You go to build for me. Alors, la première partie, c'est... Je vais traîner avec ce groupe pendant un temps. Mais la deuxième phrase, je comprends pas. You go to build for me. Tu pensais que tu ne demanderais jamais. J'adorerais. Bon, j'ai pas compris ce qu'il veut faire, mais il adorerait. Eh ben, en tout cas, ça faisait bien de te voir. Ouais, pareil, frérot. Merci pour l'aide, Deadbull. Putain, je comprends rien. Alors, un patch augmente grandement le pouvoir... des trucs actifs. Ah. Ah oui, c'est ça qu'on a trouvé, qu'on a récupéré de machin. Le kettle body. Donc genre, on prend kettle body. On va prendre Babi.
pour Yann. Mettre à l'un de ses trous du cul le fameux patch là qui augmente le pouvoir des familiers. Et se faire un bide. Un bide bloup bloup. Un bide bloup bloup. Mais ce qui m'embête, c'est que Yann, actuellement, tous ces trucs-là, ils me plaisent très bien. J'ai pas envie d'y changer. Et c'était un vrai mode, le mage à la ville. Ah, ça, c'est un mode de classe. Faut pas le mettre à la place de son truc de base. Bon. On a quoi comme kit qui traîne? Ah oui. Fallait aller voir le vieux Foggy. On va faire ça vite fait. Parce que sinon... Ah oui, on a un code à rentrer aussi. Kylian qui voulait qu'on les trouve pour faire un tatouage. On a ramassé un truc qui pourrait faire un tatouage. Alors voilà. Il était où le vieux? Non. On essaye. Alors, le code. Pardon. On va aller voir Barry. On va lui dire que son code, c'était de la merde. Ah. Mais c'est porf. Le vieux, il habitait... Non, ça c'est chez nos potes... et machin. Hey, salut! Alors, tu vas dans le défi? J'ai hâte quelque chose pour toi. C'est au propos d'un ami à moi, que je suis sûr que vous avez déjà rencontré. Enfin, vous avez rencontré sur Fego, du moins. Il a des poils avec sa télé dernièrement, et je me suis dit que je pourrais juste lui filer la mienne. C'est pas comme si ça allait me manquer, je vais pas allumer depuis des années. Imagine que vous pourriez pas l'amener pour lui. Une télé. Ok, je prends la télé. Hé, hey, B, vous êtes vachement balèze pour porter une télé. Faut pas vous arrêter là, hein. Ah oui, c'est vrai. Il a des problèmes de télé. Ah. Ok, on est bon. Hé, hey, B, quel boulot. Ça s'allume pas. Ah, on dirait qu'on a niqué un des câbles dans le voyage. Peut-être qu'il y a un câble de rechange quelque part. Demandons à Foggy. Ah, non, il doit y avoir un câble de rechange quelque part ici. Alors, oui, c'est vrai. Une seule bébé qui est ici, il y avait plein de câbles. Et on prend lequel? Le câble noir. L'autre câble noir. Le câble noir. Le câble noir avec écrit... câble de rechange pour la télé de Foggy dessus. Câble noir, le câble noir. Ça doit être celui-là. Après, c'est le câble de rechange pour... C'est bien pour cette télé, pas celle qu'on a née. Ah bah ça marche. Ouais, j'imagine que... Vous savez, comment on ne marche pas sur cette télé-là?
Ah, c'est juste un truc après l'autre, hein. Heureusement qu'il y a des boutons sur le côté de la télé. Oui, bien vu. Allons changer les chaînes jusqu'à ce que Porf soit satisfait. Changeons la chaîne pour faire les business news. Ok. Donc ils font une interview des platines délicieuses et platine a l'air traumatisée. Ah oui d'accord, cette interview a l'air d'être le moment exact où platine a découvert la véritable nature du tournoi. Ouais, on a changé de... Ouf. Bah. On reste comme ça, hein. Et c'est correct. Alors, parfait, content de sa nouvelle télé. Content de la prendre. Eh ben, merci, Morphe, un autre coup de main. J'oublierai pas. Sauf si je meurs, bien sûr. C'est difficile de souvenir de trucs quand on est mort. Mais vous inquiétez pas, mon testament se souviendra de vous. Vous nous mettez dans votre testament? Bien sûr. Ça a été très sympa que vous veniez nous voir et que vous fassiez une été de course. Me connaissant, vous ne devez pas tarder à passer aujourd'hui, à passer à nouveau. Ça me donne au moins quelque chose à attendre, c'est sympa. Oh, c'est si triste, c'est si triste. Hey, vous qui écoutez, qui regardez ces vidéos YouTube, passez un coup de fil à votre mamie. Ou votre papy. Ou aux deux. Ne laissez pas les vieux de mourir seuls. Hey, si vous avez de la chance, peut-être que j'aurai un truc à vous faire plus tard. Ok, ok, ok. Est-ce qu'on va voir Gillian? Vite. Parce qu'au moins, si on a trouvé le truc qui veut se mettre sur la gueule, ben, ce sera fait. Oh. Déjà, il y a un sac ici. Voilà. Il se défend pas. Vous remarquerez qu'il ne nous aggroupe pas. Ils ne poursuivent pas, et ça c'est un truc qu'ils ont mis dans une mise à jour, où ils ont mis en place le fait que les ennemis faibles arrêtent de vous aggro, voire vous fuient. Godbrain. Augmente la mélodie à 30% au prix de bruit, ouais. Oh. Approchez, 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 approchez! Faites l'expérience du clavier ultime! Oh, qui c'est que cette explosion de santé? Ah! Eh bien, ça, c'est la démo du clavier, bien sûr! Tout clavier digne de. Tout clavier est aussi bon que son. Que sa démo! Alors, c'est important d'en avoir une très bonne! Et donc, vous vendez des claviers? Bien sûr que non! C'est un travail d'amour! Je veux juste que tout le monde se rende compte à quel point la technologie est incroyable! Pour tous les sceptiques qui traînent là, hein, qui disent juste que c'est de la musique beep boop, des imbéciles! Quel meilleur moyen de contre-argumenter ça que de leur balancer de la grosse démo dans la gueule constamment toute la journée! Heureusement, je me parie que Sven Bobstead ne soit pas capable de gérer une telle puissance! Ils m'ont banni! Vous allez croire! Ah! Ville mélomate m'en plus! Les platines délicieuses sont beaucoup battues pour moi! Mais
Malheureusement, ça n'a pas été assez. Oups, je t'agresse un peu. On est ici pour le clavier, pas pour moi. Si je n'hésite pas à arrêter le coin et... Il a bien profité de cette musique. Nourrissez-vous de son énergie, laissez-la vous inspirer. Ouais, je peux faire ça. Il est complètement taré. Il est complètement taré. Wow. Il est rentré dedans. Oula. C'est votre chemin par ici, pas vrai? Non. Mais c'est genre à côté de chez toi. Oui, mais j'imagine que c'est la honte, ouais. Il est peut-être temps que on fasse connaissance avec le avec la croisée de la mort. Croisée de la mort? Ouais, Pierre m'a averti à propos de cet endroit. Parce que comme tu dis, c'est juste à côté de chez moi, c'est dingue que je connaisse pas. J'imagine que j'ai évité cet endroit à cause de ce qu'il y a dedans. Ah, je vois, c'est juste de me faire peur. Eh ben, ça marchera pas. On continue. Non. On ne continue pas. On va voir Gillian. On va voir Gillian. Ensuite, on retournera à l'entrée du truc. Ouais. Et ensuite... Non, donc on n'a pas trouvé ce qu'il fallait. Ça poursuit par là? Comment on pouvait... Ah oui, par là c'est l'air clair. Ok, ça vient. Donc on retourne à l'entrée de la croisée des morts. Et on se lève par là. Yeah. En vrai, je peux même vous dire... Au revoir tout de suite. Quoi? Oups. C'est pas grave. On sauvegarde tout, effectivement. Je vous remercie. Je vous dis au revoir à tous. Et à la prochaine.